sais pas quelle est leur proie, mais la chasse a l'air rude. Tu as les flèches de feu ? Oui. Ces explosions et ces cris au-delà de l'étreinte, c'est ça les incidents dont tu parlais ? Tu le sauras bientôt. Pour l'instant, on attend la nuit. Attendre la nuit ? J'ai vu Garst et j'ai acheté ce lance-câble dont je te parlais. Et je suis sûr qu'il t'a fait payer une fortune alors que c'est une arme un peu plus rustique. C'était pas donné, mais je ne regrette pas. Peut-être. Tu verras rapidement ce qu'il vaut. Bon, Rost, j'ai réfléchi. Et je ne t'éviterai pas après l'éclosion, ok ? Je ne le ferai pas. Je ne vais pas faire comme si tu ne m'avais pas élevé. Aloy, la loi interdit tout contact. Je sais, et je m'en fiche. Je sais que tu respectes les règles, Rost, mais les lois tribales n'ont fait que me déposséder, toute ma vie. Mais ça n'arrivera plus. Aloy, je dois me plier au règlement. Et tu t'y plieras. Je savais que tu dirais ça, mais j'ai une solution. Je viendrai te voir en secret. Personne ne le saura, je ne risquerai rien. Et je sais que tu ne me parleras pas, parce que c'est interdit, mais je te parlerai. C'est moi qui enfreindrai la loi. Toi, tu écouteras. C'est comme ça qu'on fera. Tu semblais y avoir bien réfléchi. Je sais. Alors ne t'inquiète plus. Ça ira. Oui. En effet. Je comprends pas. Ces explosions, c'est à l'extérieur de l'étreinte. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ici ? Ce que j'ai à t'apprendre sera fait au moment opportun. D'ici là, on attend. La nuit ne va pas tomber tout de suite. Je vais aller me reposer. Bonne idée. Tu ne risques pas de dormir cette nuit. Ils ouvrent la porte à une paria ? Certains sont bannis alors qu'ils n'ont jamais mérité le déshonneur. Tu parles d'une loi tribale ? Je n'ai parlé à personne et nous devons tous deux rester silencieux maintenant que nous sommes en dehors de l'étreinte. Ça, c'est la vraie nature, Aloy. Ces dangers dépassent tout ce que tu as jamais connu. La vache ! Qu'est-ce que c'est que cette machine ? La tribu les appelle des dents de scie, tu n'en as jamais vu. Elles sont dangereuses. Elles ont tué de nombreux braves depuis leur arrivée dans la région, voilà 10 ans. Je veux bien te croire.